Oui, nous sommes à Bessora. Nous sommes à Bessora, Bédra. Cette fête, nous sommes en train de tout faire par la grâce de Dieu pour ouvrir le truc le 7. Le 7 juillet. C'est la chose la plus sûre. Nous serons au rendez-vous. Voilà. Chers amis internautes, nous serons au rendez-vous. Ça, c'est la chose la plus sûre. D'autres sont en train de poser des questions. Est-ce que c'est possible? Bessora sera ouvert? J'ai dit si, c'est possible parce que. Déjà pour l'été, puisque vous venez en vacances à partir du monde d'été, c'est possible que ce soit en Côte d'Ivoire, vous aurez Bessora à Gagnoua, le quartier nouveau quartier résidentiel. Voilà, donc Bessora, il y a 26 chambres et tout ça, et donc vous serez tellement servi, vous serez très bien servi. Nous sommes en train de tout aménager pour que vous soyez satisfaits par la grâce de Dieu. Je pense que tout ira bien parce que Bessora. Je vais dire bonne nouvelle, vous aurez la bonne nouvelle ici, la restauration. Et le restaurant, c'est appelé plus parler de la réussite. Ben, shalom. Shalom, voilà, pour dire, tout sera fin prêt en juillet. Tout sera fin prêt en juillet. Nous sommes en train de nous battre pour les dernières touches pour Bessora, Gagnoua. C'est un complexe hôtelier. Voilà, donc, par la grâce de Dieu, chaque mois, il y aura des inscriptions au niveau de Monongaga et de Saint-Pedro. Chaque mois, nous sommes en train de souffrir. Par la grâce de Dieu. Ça va démarrer et je pense qu'il est en force. Vous aurez le palais de la Russie, le restaurant. Le plus chic, nous aurons les mets les plus terribles en mangousse et tout ça. Voilà. Ici, c'est la présence de Yahweh. Le Yahweh, le Dieu d'Israël. Celui qui s'amusait ici, là. Il était non mort. Shalom sur le prophète Krasso.